Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous partons aujourd'hui sur une petite découverte de The World Cleaner. Nous sommes un nettoyeur de surface, agent d'entretien, tout va être un petit jeu de simulation, faire du nettoyage, etc. À la subtilité qu'on est un loup-garou. Et qu'il va falloir faire en sorte d'éviter de déclencher nos bas instincts et de tuer tout ce qui bouge. Sinon, c'est un jeu de nettoyage. Voilà. C'est un jeu gratuit sur Steam. Je me pose la question. D'ailleurs, il va y avoir plein de collectibles, etc. Le jeu n'a pas l'air très très long, mais c'est un jeu full gratuit. Je me suis beaucoup posé la question ces derniers jours de... parce que j'ai joué à un jeu mobile, etc. Et grâce à Netflix, tu as des jeux... pas gratuit parce que tu payes l'abonnement, mais dans ton abonnement tu as plein de jeux mobiles qui du coup à l'intérieur ne contiennent aucune microtransaction, etc. Et je me disais, il y a plein de gens sur internet qui cherchent des jeux gratuits, et est-ce que ça existe seulement des vrais jeux gratuits? Eh ben oui, un vrai jeu gratuit sans pub, sans microtransaction, et ben là il y en a un petit. Alors on s'attend pas à un truc de psychopathe, hein, ça va pas être 50 000 heures de jeu, etc. Mais il a l'air bien sympa ce petit jeu, donc on va tester ça et j'espère que ça va être cool. Et re, c'est Timecode du montage. Juste pour vous dire que le jeu est aussi disponible gratuitement sur iOS. Donc si vous avez un iPhone, vous pouvez jouer aussi gratuitement sur téléphone. Voilà. Hop là. Hydro Blast. Appuie sur CTRL gauche pour nettoyer. Ok, les tâches, les spears, donc les débordements, et les globes. Qu'est-ce que les globes? Je sais pas. The best mistake cleaner on the market. Ah, donc le meilleur nettoyant, le Hydro Blast. Ok. Ça marche pas. Hein. C'est pas du tout contrôle gauche, c'est clic souris. Ah, c'est peut-être clic gauche qui disait pas contrôle gauche. Sûrement. Who goes there? Qui vient là? J'ai entendu le... l'elevator, c'est l'ascenseur. J'ai entendu l'ascenseur. Ne pense pas que tu peux passer discrètement auprès de moi, Daryl. Ah, ne pense pas que tu peux être discret avec le vieux Daryl. Daryl, c'est juste moi, Kyle. Kyle! Ah, ça fait plaisir de t'entendre, mon petit gars. T'es prêt pour une nouvelle semaine? Ouais, ouais. Mon loyer, c'est cette fin de semaine, hein? J'espère que tu vas me payer. J'espère que je vais pouvoir le payer. Ah, t'inquiète pas, Kyle. Je suis sûr que ça va être smooth and easy week. Ça va être une semaine très tranquille. Peut-être que si j'ai de la chance, quelque chose d'excitant va se passer ici. Si t'as besoin de quoi que ce soit, mets-toi... n'hésite pas à te mettre dans l'espace de sécurité. Of security, Paul. Paul, let you all, security, Paul, Daryl, no, right. Ah, si t'as besoin de quoi que ce soit, parle-en à ton pote Daryl. Merci Daryl. Ah, t'inquiète. J'ai pris assez de ton temps. Je vais te laisser à ton travail de concierge. À demain, mon pote. Ok. Pour commencer le niveau. Clean de Method. Ok, on nettoie. On est sur un bon vieux. On est quasiment sur un Power Wash Simulator à ce niveau-là. Ok, c'est tout mignon. Oh là là, oui, il y a une grosse tâche donc ici. Ah. Est-ce qu'on peut parler à Adam? Bonjour. Ok, ils sont pas trop contents quand on les arrose. Pardon. Oh bah alors madame, on a une petite fuite. Ah bah ouais, ça a coulé hein. Ok, donc là ils ont une panne de nom qui monte qui a fait qu'il y a de l'angle de partout. Très bien. Niveau terminé, on peut partir. Oh bah jusqu'ici c'était très simple. Et go to exit. Niveau complète. Voilà, tranquille le niveau. Ah, il me manque une étoile, je sais pas ce que c'était. Peut-être qu'il y avait, peut-être que j'aurais dû explorer, il y avait peut-être un petit un collectible caché, un truc comme ça. Bon. Notre pote vient se coucher dans son lit et... trop mignon. C'est sa langue qui pend. Oh mais il est trop chou le loup-garou. Ah maintenant. Oh. Ah. Shit.
En fait, la nuit, c'est un loup-garou toutes les nuits. Sauf que, il vient de recevoir un mail qui dit « Maintenant, vous êtes obligés de travailler la nuit et sinon, vous n'aurez pas votre chèque à la fin du mois, donc vous pourrez pas payer votre loyer. » Donc lui, il est en mode « Oh non, mais si je travaille la nuit, je vais bouffer mes coworkers. Je n'ai pas envie parce que je suis un gentil loup-garou, mais je reste un loup-garou. Donc qu'est-ce que je fais ?» Eh ben, j'ai le loyer à payer, j'y vais quand même. Ok. Alors, manuel du loup-garou de la Werewolf Society Integrated. WSI. Kill. When spotted, you can't control yourself. Ok, si quelqu'un me voit, je ne peux pas me contrôler, je vais manger son corps. Et après, je pourrai nettoyer les evidences. Donc, les evidences, les preuves. Ok. Allez, just because it's late at night doesn't mean you should walk by without saying hey. Hey, c'est pas parce que c'est la nuit que tu ne dois pas dire bonjour. Daryl, salut. Kyle, hey, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui parler. Comment ça va avec avec la météo actuellement? Tu as l'air un petit peu différent. Oh, ça doit être à cause de l'intercom. Ce côté de... comment dire, d'heures supplémentaires non payées, c'est pas super, quoi. Ah, c'est dur de dire non à ça, hein. Ils m'ont gardé à l'intérieur du bureau de sécurité, devant l'ascenseur. Mais je me plains pas. Je vais quand même garder un œil sur ce qui se passe anyway. Avec le CEO, donc avec le PDG qui fait travailler tout le monde en heure sup, je suis sûr que le bureau va être super occupé jusqu'à la fin de la semaine. Oh boy. Oh merde. Bon, vu qu'on travaille la nuit maintenant, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait rien de suspect qui se passe. Allez, je te laisse bosser. À demain. Shit. Ok. Alors là, je peux pas y aller là-bas. Donc on va essayer de nettoyer des trucs. Et faut pas que je croise quelqu'un, sinon je vais le bouffer. Ah, on peut... Q switch to vacuum. Sauf que Q ne marche pas, vu que je suis en AZERTY. Ok, alors il y a l'autre là qui... Alors si je passe devant la porte, il me voit ou pas? Non. Ah, là il y a l'air d'avoir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Collectible found. Ah, ok, cool. Ah, elle bouge. On va faire le tour et on va aller profiter qu'elle soit pas là pour la nettoyer. C'est l'inverse d'un jeu où tu dois tuer des gens discrètement. C'est un jeu où tu dois nettoyer discrètement. Et en essayant de pas tuer les gens que tu croises. C'est drôle. Je sais pas qui a eu le concept, mais le concept est très très drôle. Ah, vite, 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 vite. Ah, c'est passé. Ok, ah, là c'est un peu sale, non? Ils ont une distillerie dans leur dans leur bureau. C'est quoi ces bureaux psychopathes? Non mais je rêve. Nip là. Je vais aux toilettes. Pardon. Me dis pas que tu vas aux toilettes, toi. Non, il va pas aux toilettes. Cool. Ah si, il va dans les vraies toilettes. Ah, là il y a du caca. Wouah, les toilettes, elles sont dégueu, frère. Qui a collé de la merde sur les portes? Vous êtes des grands malades. Alors normalement, il y a une touche pour switch to vacuum. Qui ne marche pas. Alors peut-être que elle est juste pas activée parce que je n'ai pas encore accès à l'aspirateur. Projectile diarrhea. La diarrhée projectile. Les projectiles de diarrhée. Je sais pas. Ok, là faut s'échapper. Voilà, il y en a un là. Hop, l'artiste elle doit être dans le coin là-bas. Elle est encore en train de bosser, super. La crasse cette poubelle là. Je sais pas si je vais avoir les 5 étoiles. Je sais pas ce qui donne les étoiles. Est-ce que c'est la vitesse d'exécution? C'était où la sortie? Non, c'était pas par là. Ok, donc il y a plein de petits couloirs que tu peux prendre en passant par les salles pour éviter de croiser les gens. Super. C'était par là. Ok. Allez, tard plus, moi je m'en casse. Level complete. 3 étoiles. Mais faut les faire les kills ou pas?
No kills, non. Time to reach next... Ah non, c'est du temps. D'accord, les étoiles ça se fait avec le temps. Ok. Ah oh, ouais. Hold left click to suck solid trash. Trash. Avec le vac pack. Ah, ça y est. J'ai l'aspirateur. Kyle, Kyle, je t'attendais. Faut que je te parle de quelque chose que j'ai trouvé. Daryl, crie pas comme ça, tu m'as fait peur. Attends, t'as trouvé quoi? Alors quand je faisais les checks de sécurité à côté du bureau, j'ai trouvé une touffe de poils avec du sang dessus. Ou alors c'était peut-être de la... jam, merde, de la confiture. Je suis pas certain. Mais quoi qu'il en soit, c'est suspect. Quoi? Quoi? Comment ça? Comment ça peut être possible dans un bureau? Beat me. Alors là, je n'ai pas la traduction de beat me. Si quelqu'un l'a en commentaire, n'hésitez pas. C'est... Mais on parle pas un truc comme ça. Something the foot through. Quelque chose à faire attention? Je sais pas. Je suspecte un dangereux animal d'être dans le bureau. I run a tight and safe ship. Oh mais purée! Oh, y a que des expressions que je connais pas. Tight and safe ship. Genre je pilote un bateau serré et sûr. Genre je suis un capitaine de bateau et je fais attention à ce que ça se passe bien quoi. Ça va être une expression comme ça, je sais pas. I can't let some animal run around freely. Je peux pas laisser des animaux se balader ici librement. Faut que je protège tout le monde. Ouais, bah, hein, bonne chance, hein. Allez. Ah, je suis sûr qu'on l'attrapera d'ici demain. Laisse-moi savoir si tu vois quelque chose. À demain, mon pote. Allez, c'est parti. Ah, donc là, on n'a accès que au côté gauche du bureau. Hop, et du coup, donc là on a l'aspirateur. Bonjour. Oh, y'a un petit oiseau tout mimi. Ah non, 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 y'a une petite peluche sur le truc. C'est trop mignon. Mais y'a des furies de partout. Est-ce que je peux interagir? Non, ah là y'a un truc là. Aha. Collectible found. Allez, on se casse d'ici. Oh! Genre, je peux balancer des boules de papier. Ok. Aucune idée. Ok, là, il y a eu un gros anniversaire. Allez, on nettoie tout ça. Birthday party ambush. Ok, on est bon. On va à la vitesse. Pick up. Il est trop bien leur bureau, il y a un train! J'adore les trains! Alors, question. Ah, tu peux les forcer à bouger en leur balançant des boules de papier. Ok. Ah, et t'as des. Ok, t'as des munitions là-haut. It's gonna pick up a trash ball. Ok, j'ai eu un petit succès. Ah! Diversion boule de papier! On a partout! C'est l'enfer! Ah! Non, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu! Oh là, et c'est compliqué, hein! Ok, là, faut qu'on arrive à rentrer dans cette salle. Il y a l'air d'avoir personne. Allez, c'est parti! Hop, ramasse tout ça. Ok, maintenant, faut se barrer. Passer par là. C'est par ce bureau là. Il y a une là. Ok, elle, je peux passer derrière elle. Ça va passer. Bon, lui, il a bientôt fini. Ah, ok, passe par là. On fait le tour. Fais le tour. Vas-y, vas-y. Eh, c'est parti. C'est passé. On a encore tué personne. Bon, par contre, ça a été chaud plus d'une fois. Quelqu'un a fait. Ça serait pas un look. Non, non, ça va. 3 étoiles. Ok. C'est des minutes ou c'est des secondes? Alors c'est 2 secondes et 15 centièmes ou alors c'est vraiment 2 minutes que je suis allé trop lentement pour avoir 4 étoiles sur 5? Je sais pas. Next. Alors. Donc on peut balancer des balles.
Clic droit, coworker will take it to the nearest trash bin. Oh, ils sont gentils, ils vont les mettre à la poubelle. Alors, Kyle, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ah bon? T'as trouvé quelque chose, Daryl? Ah, pas forcément. J'ai pas été capable de trouver une trace la nuit dernière. Mais je sais qu'un rascal se cache dans le bureau quelque part. Un rascal? C'est quoi un rascal? Il fallait que je te tienne au courant par rapport à ça. J'ai commencé à travailler sur quelque chose de spécial qui va me permettre de l'attraper. Mais ça va me prendre un peu de temps pour le faire. Mais ne t'inquiète pas, je vais garder ce bureau sûr pour nous deux. Ouais, hein, je suis sûr que tu vas avoir le rascal bientôt. Hein. Allez, ouais, je me mets au boulot. Hein. Allez, je te dis si j'attrape quelque chose. Hein. Bisous. Ah, ça ressemble à un plan, ça. À demain, mec. Oh, la vache. Rébellion. Oh, il y a des Français qui sont passés par là. Et des mecs qui se sont mis en grève. Ok. Donc, ça passe. Allez, on va aller dans la salle de rébellion. Ah, d'accord. Ils font une rébellion anti-moi. Salaud. Genre, ils sont pas contents. It Nighthugs, quoi? Il y avait plein de tracts anti-loup-garou là. Screw. Zut. Hop. Allez, on efface tous ces odieux petits messages là. Merde. Mauvais bouton. Ok, il y a un peu de tolérance, on peut passer vite sur les trucs. Hop, la rébellion. Hop, on se fait pas voir. Ok, c'est passé. Oh là là! Il y a quelqu'un qui arrive. Vite. On passe par le truc du concierge. Ok, là c'est bon. Ah là 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 là, t'as rien vu! Va chercher! Hop là! Ni vu ni connu! Il est trop mignon ce loup-garou. J'aime trop. Le skin est trop chou. C'est fou que ce jeu soit gratuit quoi. Il est Ah du coup je suis obligé de laisser passer lui. Attends, si j'envoie une boule de papier, est-ce que j'arrive à passer derrière? Ouh. Ok. Faut éteindre le serveur. Ah mais ça c'est un... Ouais c'est complètement un job de d'agent de surface classique. Éteindre le serveur à coup de serpillère. À coup de jet d'eau. Bah oui. Non mais attends. Franchement j'ai fait un peu de technicien de surface. C'est complètement le genre de truc qu'on fait à chaque fois hein. Ah ouais. Ah non mais classique duty hein. Ok. Hop là. Alors passer par là-haut là. Ok, on arrive en haut dans l'open space. Hop, ni vu ni connu. Hop, putain, y a elle qui sort. Ok, ce bureau il permet de passer. Super. Oh non, elle vient là. Oh zut, non. Oh là là, le massacre. Bon bah, cache le corps hein. Allez, nettoie tout ça. Il y a des intestins et tout. C'est horrible. Voilà. Hop, c'est bon. Body found. Quoi? Mais j'ai tout nettoyé. Zut. Ah non, il restait des traces. Il y avait le corps d'Emma. Il restait quelques traces du corps d'Emma. Vite. Il y a un témoin. Faut que je m'occupe du témoin. Ah. Non. Bonjour. Oh putain. Allez. Hop. On va tout tuer. Tout nettoyer. Avant que Claude passe par là. Allez, c'est bientôt fini. C'est bon, ni vu ni connu.
Alors, il est où le témoin gênant là? Bonjour! Voilà! Et bon. J'ai eu un succès de tuer 5 coworkers dans le même niveau. Voilà, problème réglé. Nickel. Oh le massacre. Bon, au moins l'open space n'est plus un problème. Je me demandais quand est-ce qu'on allait enfin voir quand j'allais faire une erreur et qu'on allait voir ce qui se passe quand on doit tuer quelqu'un. Bah voilà. Allez, on ramasse tout ça. Ploc, 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 ploc. Et on nettoie. Alors là, ils ont un petit enfant qui est venu faire des petits tagounets. Saleté de gosse. Allez, moi, je me casse d'ici. Tard plus, les gens. Oh, il ne me reste qu'une minute. Comment est-ce que j'ai perdu du temps? Va savoir. 1 minute remaining. Ah, c'est bon, on y est. Allez, ciao, bonne nuit. Là, normalement, le mec de la sécurité il va faire. Il y a quand même pas mal de gens qui sont partis pendant la nuit, hein. Non, mais attends, c'est. Ah non. Ça y est, je comprends. Je comprends. C'est bien des minutes, mais c'est genre. Là, j'ai fait 5 minutes 06. Et à 5 minutes, j'avais l'étoile numéro 2. C'est ça. Alors, je sais pas si les kills, c'est, ça compte. Alors, il y a un petit badge no kill. Mais potentiellement, pour le speedrun, tu peux faire peut-être des kills. Et re... Alors, il y a un éclair qui est tombé pas loin, qui a coupé l'électricité et qui a coupé en deux l'enregistrement. Méchant éclair. Alors, on reprend le niveau 5. Normalement, au montage, j'aurais coupé toute ma première tentative du niveau 5. Donc, si vous avez l'impression que je connais un petit peu ce qui se passe, c'est normal. Alors, Kyle, arrête-toi ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Daryl? Kyle, j'avais tort. J'avais tort tout le temps. Depuis le début. Ce truc là, dans le bureau, c'est pas juste un animal sauvage. Réfléchis 2 minutes. Cette créature est pas dans un endroit normal. Aucun animal sauvage ne viendrait dans ce genre d'endroit et resterait hors de vue et en cachant ses traces. C'est quelque chose de beaucoup plus intelligent, beaucoup plus dangereux que je ne l'ai pensé. C'est peut-être un vrai monstre auquel on a affaire. Ouais, je vais ajuster mon projet spécial pour être mieux adapté pour des grosses cibles. Ok, il a un shotgun, une épée, une hache, un marteau de Thor, un flingue. Et qu'est-ce que je vois? Oh purée, il y a de l'écho depuis le début, c'est ça? J'espère que ce n'était pas trop d'enregistrement. Je me disais, je m'entendais en double. Mais oui, mais, bref, il y a de l'écho. Il y a deux fusils à pompe, je crois. Ça, là, c'est un autre fusil à pompe, ça. C'est une grenade, un petit couteau. Ouais, bref, je suis dans la merde. Ah, jeez, hein, Daryl, tu devrais vraiment avoir... You must really have your work cut out of you then. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, les expressions américaines qu'il y a dans The, elles sont chaudes, hein. Je devrais vraiment retourner au travail, moi. Allez, salut. Fais attention à toi dans le bureau, Kyle. I went out and I caught a whole bunch of critters. Ah, il a trouvé des critters. J'ai toujours pas compris ce que c'était les critters. L'air d'être des appâts. To act as a bait, as a monster, of course. Mm. C'est bizarre parce que c'est très enfantin, etc. Et je suis pas mauvais en anglais, mais il y a plein de mots et plein d'expressions que je ne connais pas. Genre des critters, j'ai jamais entendu ça. Alors, si tu attrapes le monstre. Ça, si, j'attraperai ce monstre, ça serait sûrement le. Même si c'est le dernier truc que je fais. À demain! Il est à la fois super menaçant et super sympa. C'est drôle. Ok. Alors, on attaque directement par l'open space. Donc là, on voit le temps qu'ils vont rester sans bouger. Là, j'ai encore un peu le temps. Ok. Hop, on utilise les sacs poubelles pour choper les petites merdes qui passent par là. Hop. Ok, c'est bon. On peut continuer de laver. Il y a les champignons de Last of Us qui sont là.
Allez, on aspire tout. Il y avait un sac en sandwich, du pain, des tomates et tout. Il y avait tout le sandwich quoi à l'intérieur. Ah là, la salle est propre. Ok, dès que lui est passé, on y va. Attention, attention, attention. On va passer par là pour ne pas éveiller les soupçons. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Ok, si je passais par là pour rejoindre... Ok. Ah, le problème, c'est qu'il y a lui qui bosse ici. Zut. Alors, je crois que je peux... Pendant qu'il fait son shift, je peux essayer de... Ah là là, non, je peux pas essayer. T'as rien vu. T'as rien vu, c'est un masque. C'est un déguisement. Ok, il se barre. Hop. Toi, je t'ai chopé. Il va sûrement finir par repasser. Ah oui, non, c'est... Faut les attraper avec les sacs poubelles. Voilà. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Ok, maintenant on lave. Et le bureau est terminé. Cool. Ok, là. Là, c'est chaud, là. Il y a lui qui passe par là. Lui va venir là. Lui est presque fini. Ok. C'est mon moment. Oh, les deux, ils ont presque fini leur truc. Oh, purée. Tu vas par où? Tu vas à gauche? Non, il n'y a pas à gauche. Ok. Ça passe. Est-ce que tu penses que j'arrive à passer derrière lui sans le bouffer? Oui, ça passe. Ok. Hihi. Allez, ça passe. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, il y a le... Il y a le transpalette qui a déraillé apparemment, qui a fait un gros burn et qui a buté quelqu'un. Et c'est quoi la mousse blanche? C'est genre de l'isolant, un truc comme ça? Est-ce qu'il y a... C'est un serre-tête de bébé, ça? Est-ce qu'un bébé qui a été fauché par le transpalette, c'était un bébé à lunettes? Avec un serre-tête et... Quoi qu'il en soit... Voilà, toutes ces vilaines preuves, là, ça vient là-dedans. On n'a rien vu et on peut se barrer d'ici. Voilà. Hey, attends, j'ai presque réussi à tuer personne. Pour l'instant. Ah, non, 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 non. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Oh non, quelqu'un qui va venir. Oui, alors je bosse. Du boulot, du boulot. Mais non, mais quoi? Boulot, 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 hein. Moi qui me suis cru discret pendant 2 secondes, en fait, pas du tout. On était à ça, de réussir à s'enfuir sans problème. Mami. Hop là. Oh non, c'est fermé là. Oh non. Ok, là ça passe. Oh là là, ça passe plus là. Ok, ici il reste un peu de temps, il reste un peu de temps. Ok, ici ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ouais, je prends du risque là. Il est pas loin lui. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, et vraiment, j'ai fait le rush à la sortie, c'est passé, mais c'était just, hein. Allez, on se casse d'ici. Level complete. Ok, on a mis 4 minutes pour le faire. Oh non, 4 minutes 01 et c'était 4 minutes pour avoir les 3 étoiles. Bon, on fait pas les étoiles pour l'instant et je pense pas que je ferai les étoiles. Le concept du jeu est très cool. This is the single and the most. This is single and the most elusive creature I've ever had to this displeasure of dealing with. Waouh! Alors là. The single and the most. Oh la vache! Mais comment je galère à traduire l'anglais de Daryl? C'est chaud! Donc en tout cas c'est la créature la plus qu'il a eu le plus de mal à avoir à faire. Sens global. Daryl, est-ce que ça va? Haven't you caught it yet? Tu ne l'as pas encore attrapé? La créature... Ah, t'as pas encore compris? La créature pense qu'elle est forte et glorieuse. Elle se moque de moi. Elle me regarde échouer à l'attraper encore et encore. C'est comme si le monstre avait la possibilité d'avoir les informations à propos de tout ce que je fais. En fait, ce monstre était peut-être déjà au courant de ce qui se passe dans le bâtiment.
There's only so many ways something or someone could obtain information like that. Il y a tellement de manières que des gens arrivent à avoir ce genre d'informations. Mon projet spécial sera terminé demain soir. Après ça, ce monstre n'aura nulle part où aller. Et je lui enlèverai la vie de son corps. T'as déjà vu quelqu'un se faire retirer la vie de son corps, Kyle? Non, bien sûr que non, Daryl. Faut que je travaille, hein. Ouais. Je te vois demain. Oh purée Daryl. Daryl, il a envie de se faire du loup-garou, hein. Ah, je dois nettoyer là alors qu'il y a quelqu'un qui bosse. Ok. Tu pars par où pour partir, toi? Tu viens dans ma direction? Évidemment que tu viens dans ma direction. Connasse. Pardon pour le gros mot. Ok, on va faire le tour. En espérant que personne passe par là. Ok. Il y a quoi? Il y a plein de bougies et tout. Est-ce qu'il y a eu un rituel satanique ici? Ah non, non, c'est des préparations de mariage. Me dis pas que tu vas rentrer là, toi. Ok. Oh purée! Yeah! T'es pas passé loin! T'as rien vu, Jacqueline? Ok. Je vais essayer de lui envoyer. Wouhou! Boule de papier! Normalement, quand il voit une boule de papier, il essaie de l'envoyer, de l'emmener à la poubelle. Je ne sais pas où est la plus proche poubelle, ou putain de... Non, non, non. C'est passé. C'est passé, et la poubelle, elle est dans l'autre sens. Cool. Allez, allez là, la poubelle. Zut. C'est bon, on se barre. Ok, c'est bon. On a réussi à la nettoyer. Ok, ça a failli mal se passer. Oh la vache! Ah là, il y a eu un rituel satanique! Ça, c'est un vrai rituel satanique comme on aime! C'est bien, bravo les mecs! Félicitations, hein, c'est un beau pentagramme. Hein. Ah là, 10 sur 10. Hein. Ok. Ah, zut, mamie. Zut. Ok, je peux y aller. Ah, ça me fait presque chier de le nettoyer. Il était si beau. Et en plus, vous l'avez fait avec du sang, vous avez sacrifié quoi pour le faire? Hop, voilà! C'est bon! Ok, mamie, vas-y. Il y a quelqu'un aux toilettes? Fais caca. Pardon. Hop, ça passe. Ok. Est-ce que toi, j'arrive à passer comme ça? Oui, j'arrive à passer comme ça, faut remonter. Tuc, 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 tuc. Oui, ça passe, la cuisine, ça passe. Oh, purée! Ah, on a trouvé un collectible. Par là, ça peut passer pour aller là-bas? Ouais. Il y a lui qui va se mettre là. Nous, on ne fait que passer discrètement. T'as rien vu? Ok, c'est passé. Ok, c'est là le problème. Oh là là! C'est le patron que vous voulez... Que vous voulez tuer? Parce que ça, je pensais que c'était le logo du loup-garou, mais non! C'est le logo de l'entreprise. Cette entreprise a des problèmes, hein. Je crois qu'il y a une histoire cachée sur l'entreprise, hein. Genre, il y a des gens qui font... Il s'appelle genre Howl. Howl, ça veut dire... chouette, normalement, non? Genre, ils ont fait des... Alors déjà, il y avait des invocations sataniques à côté. Et en plus, ils font genre des mascottes, des doudous. Et lui, là, le mec a mis les doudous sur des pics. Ah, il y a un problème, hein. Je sens qu'il y a un problème dans cette entreprise. Peut-être un souci de management. Il vous manque peut-être un happiness manager. Ok. Non, pas par là. Ah. Je dois passer par là pour aller là, moi? C'est la seule porte. D'accord, il y a deux personnes à l'intérieur, il y a quelqu'un qui dort. Ok, comment je suis censé rentrer là-dedans, moi? Jacqueline, tu peux te barrer? Merde. Voilà. Hop.
La poubelle, c'est la poubelle qu'elle a là. Dans la merde. Ouais. Et dodo. Hop. Ok. Ah, c'est le bureau du CEO. Oh purée, le CEO il a fait n'importe quoi. Oh là, il a mis de la merde de partout. Drunken Rampage. Ah, il a même mis le au feu la, du feu dans la poubelle. Tété. Allez, on va régler ça. Ah, il a dû vomir sur lui, le CEO. Exit office. Zut. Ah non, il y a lui qui rentre là. Il me reste moins d'une minute. Ok, alors mon plan, c'est que lui, il se barre. Ok. Voilà. Hop, sac sur la tête. Poc. Moi, je passe par là. Hop. Et c'est la sortie. Et je me casse. Et j'ai tué personne. Enfin, je crois. Non, c'est bon. Yeah. Une étoile, c'est de pire en pire. Ah. Il y a des caméras de sécurité. Il m'a vu. Il m'a vu, le bâtard. En train de nettoyer le bureau du CEO. Il a compris. Il y a le petit qui fait... Oh putain, le bâtard. Werewolf, un loup-garou. Kyle. Tous les morceaux se recollent. Ta-ta-ta. Ok, allez, on fait le dernier jour. Ok, regarde ça. Mon tout nouveau World Tracker T200 me dit qu'il y a un loup-garou dans le coin. Ce tracker contient... That tough offer. D'accord, contient un peu de fourrure que j'ai trouvé l'autre nuit. Mais il me guidera à la personne qui a cette fourrure. Enfin, d'où vient cette fourrure. Tu ne saurais rien par rapport à ça, n'est-ce pas, Kyle? J'avais confiance en toi, Kyle! Combien de coworkers, combien de personnes as-tu tué? Combien? Non! Le nombre n'importe peu. Ça serait zéro, j'en aurais quand même rien à faire. Tu as été un danger pour tout le monde. Tu as menti. Tu m'as menti à moi. Daryl, je dois payer mon loyer. Oh, t'auras pas à avoir besoin de payer ton loyer. T'auras plus besoin de payer ton loyer. Je vais te tuer, Kyle. Je vais être sûr que tous tes organes soient répandus sur le sol. Je vais transformer ta queue dans un porte-clé. Je vais porter ta peau comme une fourrure de manteau. À bientôt, bud. À bientôt, copain. Oh. Oh, il est chaud. Ah, il faut quand même faire le ménage. Avec l'autre qui te traque et qui a envie de te buter. Super. Merde. Ok, normalement il a perdu ma trace. Oh d'accord, sinon il n'avait pas perdu du tout ma trace. D'accord, donc quand je vois ça, ça veut dire que c'est son chemin qu'il va faire. Oh la galère. Ok, il faut dans la cuisine. La cuisine, on peut y aller en passant par l'autre truc. Ah mais il va te suivre toute sa vie. Alors normalement ici c'est dangereux parce qu'il y a un mec qui passe généralement. Alors là, ils ont fait soirée nachos. Ça a un petit peu répandu sur les murs. Hein. Oh, il arrive, il est là-haut. Il est là-haut. Vite. C'est bon, je peux me casser. Ah, oh, il faut vraiment du coup se dépêcher de ranger. Toi, tu veux par là, super. Je vais pouvoir passer par le bureau. Zut. Ok. Merde. Où c'est passé? Ok, elle va aller à la poubelle. Ah non, mais elle a une poubelle dans son bureau! Connasse! Tiens! Ah, non, mais je vais pas te bouffer!
Je voulais pas te bouffer, moi, je voulais te... Ah, merde. Il arrive, il arrive, il arrive. Ah, putain, il est là. Il va me fumer. Attends, j'ai pas fini de nettoyer. J'arrive, j'arrive. Ah, là, 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 là. Y'a pas de porte ici. Oh, merde. Tiens. Oh, il m'a tué. Daryl m'a tué. See you never, buddy. À jamais. Pas de paye. Non, si proche du but. Si proche du but. Allez, on y retourne. Hop, da. Voilà. On était bien parti, c'est juste que j'ai pas pris le bon chemin. Non, c'est mieux de passer par le bord comme ça. Ok. Ici, il y a quelqu'un dans le bureau. Quoi? Hop. Ni vu ni connu. Hop là. On passe par là pour faire le tour. Parfait. On va dans la réserve. Et on arrive dans la cuisine. Et on commence par l'aspirateur pour dévoiler toutes les traces. Hop. Ok, maintenant, nettoyage. Tuk 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 tuk. Plac 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 plac. Et normalement, c'est finito. Oui, il est déjà là. Oh, je pensais qu'il m'aurait suivi. Mais non. Mais non, il voit où je suis, donc... Oh là, c'est la merde. Oh là, c'est la merde. Oh, purée, non. Zut. Zut, 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 zut. Va prendre le corps. Non, non, il a trouvé le... Bah, bute-le. Bon bah on repassera plus tard pour s'occuper des corps hein. Oh c'est dur. Mais faut pas passer par là, je suis trop con. C'est par là qu'il faut passer. Voilà, super. Ok, le truc à nettoyer c'est par là-bas. Eat your hugs. Mange tes câlins. Ah ouais, il a fait les deux toilettes quoi. Y a un employé qui a du mal avec le patron hein. Et la politique d'entreprise. Ok, ils ont trouvé un corps. Je sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui se passe quand ils trouvent les corps. Oh putain, il est là. Est-ce qu'il va ouvrir? Ah, il va ouvrir. Ok, j'ai réussi à le stun. Non. C'est dur. Oh, le dernier niveau, il est giga dur. See you never, bud. À jamais, mon pote. Ok, on essaye. On va y arriver. Alors, on avait un bon début de run de monter par là. Hop. Là, il y a lui qui passe par là. Hop là. Petit sac poubelle sur la gueule. Lui, pareil. On prend l'aspiro. Vu que lui du coup il se fait pas chier pour nous suivre. On a le temps. Hop. Pas la peine de faire les détours vu que l'inspecteur ne fait pas les détours pour nous trouver. Ok, normalement c'est bon, c'est clean. Ok. Ici on attend qu'il soit passé. C'est parti. Hop là. Hop là, on peut descendre par là. Nickel, faut aller aux toilettes. Toilette, c'est juste ici. Hop là, on commence par aspirateur. On rentre dans les différents trucs. Pourquoi il y a des bouts d'humains ici, là-dedans aussi? Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il y a un autre monstre dans la boîte? Que je ne sois pas le seul truc surnaturel. Il y a quand même beaucoup de cadavres. Non. Ah oh, zut. Ah oui, parce qu'il y a mon instinct qui trigger quand il le voit, qui a envie de le bouffer. Et lui du coup quand il me voit il a envie de me tuer. Ah c'est dur. Ah le jeu était pas extrêmement facile mais pas dur non plus jusqu'à maintenant. Là il est devenu vraiment dur. Allez on va y arriver. Allez on peut le faire. Tu peux le faire Johnny. Hop. Donc là on avait vu que... Mais non, mais il le bute pas! Sac poubelle! Putain! Allez, on le prend avec nous. Hop. On te mettra dans la cuisine.
Voilà. De toute façon, on avait prévu nettoyer ici. Hop, on dit d'abord aspiro de partout. Voilà. Et ensuite, power wash de partout. Puck, 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 puck. Allez là, il reste des trucs. Et merde! Allez, restart. Ça, c'est dur. Ah, c'était simple jusque là, c'est devenu dur. On va y arriver, on va y arriver. On va essayer de tracer par là cette fois-ci plutôt. Hop, vu qu'il y a lui qui va passer là. Hop, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, ça, ça passe. Ok, on va finir par devenir un speedrunner du jeu, vous allez voir. Hop là. C'est passé. Super. On a bien gagné 5 minutes. Enfin, 5, peut-être 30 secondes à tout casser. Donc, faut être prêt à bouger en fait. Parce que là, il va nous arriver vite dans la gueule. Hop. Donc, je puisse l'attirer quelque part d'autre. Pour revenir après. Ouais, il arrive soon. Je garde un oeil sur lui. Ah, il y a le CEO qui est là. Faut le manger. Ok. Qui a tué le CEO? Qui est responsable de ça? Alors moi, je n'ai fait que le manger, hein. Je ne l'ai pas tué. Hop. On va attendre qu'il sorte des toilettes pour qu'il aille vers moi. Parce que j'ai peur que si je vais dans l'autre toilette... Allez, je vais essayer. Parfait. Hop là. Ça va être terminé. Il arrive. Cette fois, c'est la bonne. The Rebellion Last Stand. Le dernier acte de la rébellion. Ils ont fini par buter leur CEO. Bien, bravo les gars. Ok, vite. Go to the mascot room. Comment ça, the mascot room? Non. 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 Si proche du but. Ça va le faire, ça va le faire. Il va arriver dans pas longtemps. Allez, le body, le body, le body, le body, le body. C'est bon. On a réussi. Ok. Avant, j'ai envie de passer... Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc à collecter dans le truc de sécurité. Hop. Le dernier qui me manquait. Oh, je sens qu'il est pas loin. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, the mascot room. On va aller voir ce qui s'y passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, ça passe, nickel. The mascot room. Du jeu. Ah. Ce petit copate. C'est la mascotte qui a tué. Je me suis enfui. Ah non, il poursuit! Aïe, aïe, aïe! Yes! Le petit bonus! Eh ben, on est toi! Voilà! Yes. Ah non, c'est très drôle la fin. Très très drôle la fin. Ah, j'ai bien aimé. Bon bah voilà. Oh non.
m'excuse d'avoir tué tout le monde. Yeah, j'ai eu mon salaire, 119$, horreur. Oui, il est content. Mais il est un peu triste d'avoir tué son pote. Bon voilà, c'était un petit jeu gratuit qui est sur Steam. Bah j'espère que... Du coup je pensais pas finir le jeu, mais bah du coup j'espère que vous avez pas trop spoilé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bises et je vous dis à la prochaine. Et tchuss.